C'est d'abord de marquer notre satisfaction quant à la reprise effective des travaux sur ce tronçon d'environ 83 km qui mène à Mandiana Ville à partir de Cancan. L'entreprise avait déjà finalisé les 17 premiers kilomètres et aujourd'hui est en train d'avancer sur la moitié du tronçon à 45 km où ils ont fini pratiquement les couches de fondation. Ils sont en train d'avancer à pas de tronçon de 8 km par 8 km pour appliquer la dernière phase, donc le bitume, qui prendra un peu de temps. Et l'objectif visé étant que d'ici la saison des pluies prochaine, que l'entreprise puisse atteindre la moitié du tronçon, c'est-à-dire à 45 km. Donc, je dois dire que nous sommes très satisfaits de l'évolution du travail. Nous avons effectué d'autres visites avec l'entreprise sur leur centrale à béton, la centrale à béton et la centrale de concassage aussi qu'ils ont, pour voir exactement l'équipement qui a été mis à disposition pour l'évolution, pour la mise en œuvre de ce contrat, qui est financé par le budget national de développement et donc souvent qui peut connaître quelques ralentissements. La route Kankan-Mandjana, qui a trois grands ponts, coûte environ 126 millions d'euros. Donc, évalué en francs guinéens, c'est plus de 1 400 milliards de francs guinéens. Donc, supérieur au budget qui peut être alloué à tous les départements par an. Donc, il est important que nous sachions prioriser les routes qui ont besoin d'être entretenues aussi, d'autres routes qui ont besoin d'être reconstruites. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, cette route a mis du temps parce que c'est financé sur le budget national de développement et des allocations. Peut-être à certains des années, on a alloué l'équivalent de 10 millions d'euros, d'autres années, 20 millions d'euros. Mais je peux dire que c'est une carence qui est soutenue, qui est consistante. Et nous pensons qu'à cette allure, on va aller très vite, comme on est déjà en négociation aussi avec l'entreprise pour voir avec d'autres sources de financement comment on peut boucler entièrement pour que l'entreprise ne soit pas du tout bloquée dans l'exécution du travail. Cette route ne fait pas exception. Au-delà des voiries, il y a des voiries, il y a d'autres routes nationales qui ont été supportées par le budget national. Mais l'historique surtout de cette route, c'est que c'est une route internationale qui relie la Côte d'Ivoire à la Guinée. Et c'est une route où vous avez des agglomérations avec une forte population qui se trouve au-delà de Mandiana et aussi un vrai grenier agricole. Donc c'est très important, c'est une route de développement. Économiquement, elle est très importante. Donc c'est pour cela que nous avons jugé utile au niveau du gouvernement d'entamer la construction de cette route. J'ai expliqué la fois dernière que le processus de mobilisation de ressources avec les partenaires au développement, c'est un processus souvent qui peut prendre 4-5 ans entre les études de faisabilité, entre la recherche des partenaires, souvent pas un seul bailleur de fonds, ça peut être deux ou trois bailleurs de fonds qui acceptent de venir en joint venture sur le financement d'un projet. Et à la suite de cela, c'est des appels d'offres qui sont lancés pour recruter l'entreprise et aussi recruter les missions de contrôle pour l'exécution du tronçon. Donc, entre les études de faisabilité qui peuvent aussi prendre souvent 2 ans ou 1 an pour mener une bonne étude, vous avez à peu près 4-5 ans. Là, nous venons de reprendre les travaux depuis le 3 octobre sur instruction du maître d'ouvrage. Et les travaux que nous avons démarrés consistent à reprendre les remblais et puis faire un traitement, commencer à poser la couche de chaussée, c'est-à-dire couche de fondation en lithostabilisation, puis après imprégnation et couche de base en grave bitume, puis après on va mettre la robée. Donc le planning que l'entreprise nous a soumis et que nous avons approuvé nous permettra d'aller jusqu'au PK 45. Pour finir, absolument, on veut finir jusqu'au PK 45 au mois de décembre, arriver à ce niveau-là.
Bon, nous avons déjà... Cette route répond aux normes de la CEDEAO. Caractéristiques géométriques, on a une chaussée de 7 mètres, de deux voies, une voie de 3,50 m chacune, avec un accotement de 1,50 m, plus les accessoires. Et la couche de chaussée est composée d'une couche de fondation en lithostabilisation. C'est-à-dire qu'on mettra de la latérite crue à 70% de latérite crue et 30% de grave concassé 0,315, ce qui va constituer la couche de fondation. Au-dessus de cette couche de fondation, nous allons mettre une couche de grave bitume, de la grave bitume 0,020. Et puis au-dessus de la couche de 10 cm d'épaisseur, au-dessus de la couche de grave bitume, on va mettre la couche de roulement, qui est un arrobé, semi-grenu, c'est du béton bitumé semi-grenu, avec une épaisseur de 5 cm. Je vous avoue que j'ai été vraiment impressionné. Impressionné par la qualité du travail, impressionné aussi par l'avancée des travaux. Notre souhait serait que le travail ne s'arrête plus, qu'il n'y ait plus de retard et qu'on puisse aller vraiment à l'essentiel. Et la population de Manyana est en train d'observer elle-même, parce que cette route, elle la pratique chaque fois. Elle voit ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Donc chacun fait une prise de conscience pour voir que l'État réellement est en train de faire quelque chose. Et c'est ce que le professeur Alpha Condé dit souvent. Je fais ce que la population demande. Et la population de Manyana a demandé que cette route se réalise. Si elle est dans cet état-là aujourd'hui, c'est un véritable soulagement pour la population. La Guinée.